venez souvent au festival de métal à Clisson? Ça fait 5 ans, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive à venir alors? C'est la déco, l'ambiance, la musique aussi. C'est qu'il n'y a pas de tabou, tout le monde est cool. Il n'y a pas de jugement sur l'autre. J'ai bon enfant ici, c'est vraiment... Moi, je parle à des gros baraquets tout tatoués, des gens tout simples. C'est un mélange de tout. C'est dynamique, ça bouge. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que là, on est comme une grande famille qui vient ensemble. Il n'y a pas, excusez-moi de utiliser ça, vous pouvez un peu déprimer cette mot, mais en fait, il n'y a pas de cons ici, il n'y a que des gens sympas. Les gens qui sont ouverts à tout le monde, qui s'acceptent à tout le monde, et c'est ça que je l'aime ici. Dans le genre métal, les femmes ont encore beaucoup de mal à trouver leur place. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui sont peut-être un peu, qui ont un peu peur, mais je pense qu'elles sont très acceptées par la communauté métal en général. Ici, il y a pas mal de femmes, des femmes tatouées, qui sont assez indépendantes et qui aiment cette musique. Bah, moi je suis finlandaise, mais on va dire que je suis de franco-finlandaise parce que j'habitais 24 ans en France. Donc moi, c'est le métal dans mes veines. Dans mon pays, les femmes écoutent le métal. C'est quelque chose que nous, on est vécu toute notre vie. Ah, et puis parce qu'on peut se trimballer dans la tenue qu'on veut, il n'y a aucun mec qui veut venir nous faire chier. Bonjour. Slayer! Et en tant que femme, je trouve que Hellfest, c'est quelque chose que j'ai jamais été vraiment... J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais été insultée. J'ai jamais été... Il y a le Me Too qui est arrivé. Ben, moi, je ne suis pas le partisan de Me Too, mais il n'y a jamais le problème ici. Dans le festival de Clisson, chaque année, il y a de plus en plus de festivalières, de femmes qui viennent participer au festival. Vous avez observé ça aussi? Oui. Alors, je crois qu'il y en est... pour 5 garçons, il y a une fille. Je confirme. On est de plus en plus nombreuses, effectivement. Dans la programmation, ça ne vient pas aussi vite, mais effectivement, dans le public, on est de plus en plus nombreuses. Il y a pas mal de filles qui sont sur des groupes et qui gueulent pareil que les mecs. Est-ce que vous avez là un groupe particulier que vous avez très envie de voir ce week-end là? Liner Skiner, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Kiss, les classiques. Ouais. C'est qui Kiss? Kiss c'est qui? Kiss c'est qui? Oh, ils sont beaux, Kiss, ils sont tout maquillés, ils sont tout... Ah, j'adore, j'ai envie de les voir aujourd'hui. Bah, bonne journée alors. Merci. Vraiment. Bon festival. Merci. Bon spectacle. Merci. Bah, merci. Bon festival.